Rebonsoir mes très chers amis, toujours la paix. Je vous envoie à toutes et à tous pour clôturer la soirée. Je vous avais promis une vidéo sur Saber Mono Stéréo. Alors, écoutez l'artiste sur le 2.0. D'exception. Eh oui, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans l'actualité, je veux dire. Vous avez vu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux concernant la crypto-monnaie. Hein. C'est une personne quand même qui a un courage inégalable, hein, je peux dire, je vais pas passer de pommade, hein, il sait très bien ce que je pense de lui. Je vais, excusez-moi, simplement parce que la bougie est allumée, ok, je préfère couper la webcam, on sait jamais, parce que des fois t'as vu, des fois t'as envie de tac-tac, t'as envie de boire un petit verre de coca, tranquille, rapide, je préfère faire ça en douce, donc veuillez m'excuser, je coupe la cam. Donc très heureux ce soir de recevoir Jim le Veilleur. Je vous enverrai, je lui envoie le lien dans un petit instant. J'ai vu qu'il était sur le chat. Je salue toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. On va patienter un petit peu. Normalement, les notifications sont arrivées à destination, c'est-à-dire auprès des gens qui effectivement ont cliqué sur la petite cloche. Soyez toutes et tous les bienvenus sur la chaîne de Saber Solo Radio. Sachez que les émissions en live, les directs, auront désormais lieu sur une chaîne de secours que j'utiliserai bientôt, on va dire dans quelques semaines, comme chaîne principale sur Saber Solo 10, si je puis dire. Je vous mets le lien sur le chat. Voilà, tous les lives avec notamment les invités d'exception auront lieu désormais. Enfin, c'est pas encore le cas là, mais ce sera pour bientôt. Sur la chaîne Saber Solo 10. Voilà, je vous ai mis le lien sur le chat. N'hésitez pas à vous y abonner, à appuyer sur la petite cloche pour connaître lorsque nous serons en live. Je préfère vous avertir que nos chaînes sur YouTube notamment sont en péril. Elles sont mises, oui, il y a péril dans la demeure. Les chaînes qui sont dites de la dissidence, si je puis dire, même si personnellement je me considère plus comme un relayeur. Hein, des vidéos des dissidents plutôt qu'un dissident, même si bien sûr je suis contre le système. Donc dans cette vidéo, monsieur Saber Mono prend à témoin Jim le Veilleur, qui devrait rester silencieux, et atteste que le Zincoin est un bon placement. Donc, lui aussi, en fin de compte, provenant du Maroc aussi, donc il est aussi influenceur dans ce projet. Mais, comme à l'accoutumée, il ose le dire, il le camoufle, vous comprenez? Il dit, je vous le dis, mais je ne vous ai rien dit. Vous voyez un peu le truc, l'hypocrisie à toute patate. Son autre vidéo, c'est où il rentre dans une église et il dit « Oui, en tant que musulman, je vous souhaite un joyeux Noël. » C'est quoi ça? Mais c'est quoi ce mec? Et il est là à critiquer Ali, les conseils d'Ali, que je vous invite à aller voir ses vidéos, en l'insultant, en l'injurant de tous les noms. D'ailleurs, Ali, je t'invite à le signaler. Ce genre d'individu pense rendre service à la diversité, à la communauté. Ils sont beaucoup comme cela à penser avoir un discours plutôt rassembleur, un discours plutôt fédérateur. Mais au contraire, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le logiciel de départ. Ces gens-là, déjà, ils ne sont pas nés ici. Ils sont arrivés un peu plus tard ici. Ils ne comprennent pas comment ça se passe, le truc. Vous comprenez? Moi, quand je parle avec quelqu'un, que ce soit une blanche, une jaune, une chinoise, tu me laisses parler, tu me laisses terminer, tu ne me coupes pas la parole. Tu peux être qui tu veux. Tu ne me manques pas de respect. Mais certains préfèrent jouer les tapis de sol. Certains préfèrent faire les canards. Et nous qui avons une mentalité, nous qui avons grandi dans la difficulté,
nous qui avons compris que l'échec est un diplôme, eh bien, rien ne peut nous arrêter. Mes très chers amis, ce mec-là est peut-être en vérité, dans le fond, le plus gros hypocrite que la planète n'ait jamais porté. Et il ira toujours gratter où il peut, un peu, si vous voulez, récupérer quelques miettes. Vous comprenez? Son discours est toujours le même. Il prend pas de position, mais en vérité, il prend une position. Mais il l'a fait à l'envers. C'est la technique du cravat. Et de toute façon, quand vous connaissez un peu ce genre de loustique qui a osé m'interdire ses lives, alors que moi, j'apportais beaucoup plus que ses déductions et que ses discours à deux balles. J'invite à ceux abonnés à cet individu à venir rejoindre la page de chez Bernard. Lâchez ce mec, il vous ramène droit dans le mur. S'il vous fait croire, soi-disant, on est tous ensemble, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Il utilise les pauvres, ceux un peu paumés, pour prendre un peu de buzz sur eux, mais en vérité, il n'en a rien à foutre. Il s'en tape totalement en vérité. Mais il vous fait croire que c'est un patriote, plus que le patriote, un peu comme notre PQ national, comme dit Marcus Dia. Mes chers amis, ne tombez pas dans cette idiotie. C'est un imbécile sur pattes qui, à part faire des vidéos et être dans la médisance, en l'occurrence, il critique le frère Ali, et cette vidéo aura droit de réponse à toi, Ali, les conseils d'Ali. Et ce mec est quelqu'un de médisant, parce que toi, tu l'as appelé mon frère dans une vidéo. Et lui, là, il te crache dessus. Pourquoi? Parce que tu contredis la crypto-monnaie. Cette vidéo sera pour toi, les conseils d'Ali. C'était Bye Bye Cher, fâché comme jamais, sur le 2.0. Bonne soirée, mais jamais, mes amis. Excusez-moi. Que Dieu nous fasse, Inch'Allah. Bonsoir et bonne nuit.